aussi été renvoyé à la date d'aujourd'hui parce que la semaine dernière, on avait déposé la correspondance que les travailleurs avaient adressée à M. l'inspecteur préfectoral de Bouquet. Parce que la semaine surpassée, IMS avait soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait presque 2 ans sans engager une procédure. Et en la matière, le code de travail, en son article 523.1, prévoit que les employés peuvent saisir l'inspection générale, dans pareilles circonstances si l'inspecteur général arrive à pouvoir rapprocher les parties. Là, il fait un procès verbal de conciliation et on remonte, la procédure se limite là. Maintenant, à défaut de conciliation au niveau de l'inspection générale, le travailleur qui est victime d'abus peut saisir automatiquement la juridiction compétente qu'est le tribunal de travail. Maintenant, ils ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour dire que mais les travailleurs n'ont pas engagé la procédure dans le délai. Donc, on a discuté les questions juridiques. Mais en la matière, la loi est claire, le code de procédure civile, économique et administrative est clair là-dessus. Pour soulever la fin de non-recevoir, l'article 235 dit qu'on soulève au seuil même de la procédure, c'est-à-dire à l'entame, avant d'entrer au fond. C'est-à-dire sans examen au fond, on doit soulever cette question juridique. Maintenant, c'est cette discussion qu'on avait faite à l'audience surpassée. Donc, mais avant, on avait renvoyé à 2 semaines pour mettre l'affaire en délibéré. Mais je me suis rendu compte, pour lever le flou, les zones d'ombre au niveau du tribunal, dans l'examen de cette question soulevée, j'ai contacté les travailleurs concernés, ils m'ont fait comprendre qu'ils ont saisi l'inspection préfectorale de Bouquet qui représente l'inspection générale de Conakry par une correspondance demandant à IMS leur réintégration ou le paiement intégral de leur indemnité. Je leur ai dit de me faire parvenir cette correspondance déchargée par l'inspecteur préfectoral de Bouquet. C'est ce qui fut fait. Donc, j'ai, au vu de cette pièce maîtresse, je me suis dit que mettre l'affaire en délibéré dans ces conditions n'est pas opportun, n'est pas opportune, du moins. Donc, pratiquement, j'ai fait une lettre, une demande de rabattement du délibéré, me permettant de déposer cette pièce au dossier de la procédure. Et à l'audience dernière, Madame la Présidente a accepté de rabattre le délibéré et éventuellement de provoquer le consentement de l'UMS. L'UMS, en son tour, a demandé le renvoi à 1 semaine, leur permettant de répliquer à cette pièce. Donc, vous venez de voir ce qui se passe entre nous, parce que en matière professionnelle, selon la déontologie, on communique les écritures avant l'audience. 2 ou 3 jours pour permettre l'autre partie de prendre connaissance de la pièce. Ça n'a pas été fait. On vient ici aujourd'hui, ce qui n'est pas normal, le jour de l'audience, de communiquer les écritures. Mais on accepte entre nous pour la confraternité, pour qu'il y ait diligence dans les dossiers. Mais l'assistant de l'avocat de l'UMS vient dans la salle, il a des écritures. Il s'assoit, il refuse de me communiquer avant que le dossier ne soit appelé. Sauf quand on sait
arrêté à la barre. On me présente la pièce, ce qui n'est pas professionnel. C'est ce que j'ai décanté tout de suite à la barre. Je dis, je ne prends pas dans ces conditions. Donc, on vient de prendre, après ces discussions, après que j'ai attiré l'attention de la mauvaise foi avérée de l'IMS, du tribunal, donc, par fini, j'ai accepté de prendre pour que le dossier bouge. Et moi aussi, à mon tour, j'ai sollicité le renvoi à une semaine. Parce que c'est une procédure judiciaire. Il ne faut pas prendre à la hâte. Tant que, à deux semaines, tant que tu as des possibilités d'examiner une pièce, je peux banaliser, je vais dire, bon, mettez en délibéré. Mais ce n'est pas bien comme ça. Je vais prendre tout mon temps, avec la tête tranquille, examiner leur écriture pour me permettre de défendre sereinement les intérêts de mes clients. Donc c'est renvoyé à deux semaines pour ce motif, pour me permettre de répliquer aux écritures déposées aujourd'hui par l'IMS. Ce qui veut dire que le débat va encore continuer, c'est pas, on ne va pas sur le délibéré. Oui, on ne va pas sur le délibéré sur cette question de, non, de fin, de non-recevoir. Ce qui est patent, ce qui est clair, c'est que l'IMS est de mauvaise foi. Ils sont en train de dilater la procédure. C'est-à-dire pour ne pas qu'on aille au fond dans cette affaire. Et je suis convaincu, selon les textes de loi, qu'on ira au fond. Les travailleurs réclament quoi? Les travailleurs réclament leur indemnité, leurs droits. Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de, à la date d'aujourd'hui, parce que c'est 164 travailleurs qui ont été licenciés. Mais quand l'IMS a pris vent de cette procédure, ils ont réintégré d'autres personnes. Et à la date d'aujourd'hui, je suis saisi par 83 travailleurs. Donc la société décide comme nous on a demandé et on n'a pas été au travail le 16, ils ont décidé de nous licencier. Pourquoi vous n'étiez pas au travail le 16? C'est parce qu'on a écrit à l'entreprise soit disant qu'ils n'ont qu'à revoir notre situation, on a fait plus de 2 ans, 3 ans sans augmentation de salaire. Donc on a demandé ça, donc notre patron a dit vraiment qu'il ne peut pas nous augmenter, donc celui qui ne veut pas travailler, ils n'ont qu'à rester à la maison. Donc maintenant, dans ça, on a continué à travailler, donc on a continué encore à écrire. On a écrit à la centrale de l'IGTG, où il est allé les voir, soit disant que vraiment, et quand le travailleur fait plus de 2 ans ou 3 ans au travail, c'est le même salaire. Et vraiment, parce que dès que tu commences au travail, c'est les familles qui augmentent. Donc il y a trop de problèmes. Donc il n'a qu'à essayer d'augmenter. Donc il n'a pas respecté. Donc on a appelé même l'inspection générale du travail à l'IA. Il est allé au moins nous sensibiliser, soit disant que vraiment il faut qu'on donne un peu de temps. Dans le temps là, donc le travail aussi, je nécessairement, soit disant que vraiment le jour de 16, si comment dirais-je, la direction n'arrive pas à réagir, donc personne n'a au travail. Donc en ce moment, la direction au moins a pris une décision, soit disant que comme on n'a pas été, leur règlement intérieur a dit que vraiment celui qui n'a pas été au travail, même si c'est une seule nuit, donc l'article a dit de nous licencier. Vous faites quel travail là-bas? Nous sommes des chauffeurs, c'est le groupe des chauffeurs. Vous êtes tous des chauffeurs? Les mécaniciens, les maintenances et ainsi de suite. Le 16 de quel mois? Je ne me rappelle pas du mois, mais en tout cas c'était le 18. Donc 2018. Ok, vous avez porté plainte contre l'IMS à Mafanko. Pourquoi? Qu'est-ce que vous demandez? C'est-à-dire on demande notre indemnité. Parce que ils sont, ce qu'ils appellent, c'est un licenciement arbitraire. Donc on a demandé, on a vu que vraiment il faut qu'on saisisse l'inspecteur général du travail. On l'a saisi. Donc l'inspecteur aussi a fait son rôle. On a convoqué l'IMS en disant que vraiment on ne pouvait pas licencier tout ceci pour l'augmentation des salaires, parce que c'est trop. Et 164 travailleurs, on ne peut pas licencier ces gens-là dans le même jour. Donc si vous voulez faire, vous, si vous ne pouvez pas le réintégrer au service, vous devrez maintenant de régler conformément à la loi guinéenne.
Donc IMS n'ont pas accepté. IMS a dit l'inspecteur de laisser les travailleurs avec eux. Donc jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes, on n'a pas pu vraiment avoir notre indemnité. On a couru derrière le préfet qui était là-bas avec le gouverneur Siba qui était là-bas. On a même fait au moins même une démarche. Donc tout ça là pour qu'on montre toutes les Guinéens soi-disant que IMS nous a licenciés. On a fait sortir les gendarmes pour nous tuer. Tout le monde a eu peur. Vous avez une idée sur le montant que vous réclamez? Oui. C'est combien? Ce qu'on demande là, oui. Donc on n'a pas idée sur ça parce que l'avocat ne nous a pas dit d'abord le montant qu'on doit recevoir. Donc on est en train de voir. Peut-être le temps, peut-être ils vont nous dire, mais pour le moment, ils n'ont rien dit d'abord. Vous avez parlé d'un préfet, c'est dans quelle préfecture? C'est dans la préfecture de Bokéi. Vous étiez payé à combien et vous avez demandé l'augmentation à combien pour ça? On était payé à 3 500 000, il y en a qui prenaient 3 200 000, 3 250 000, 3 800 000 par rapport à l'ancienneté. Vous avez demandé l'augmentation du salaire? On a demandé l'augmentation du salaire. 100%, on a demandé 100%, cela n'est pas fait et ça nous crée des problèmes. On sait que le problème d'emploi dans notre pays est un peu difficile. Depuis tout ce temps, comment vous êtes en train de vivre cette situation qui est licenciée? Jusqu'à présent, là où vous voyez comme ça, là, tous les travailleurs, là, le matin, c'est là ce mois, là où j'habite. Tout le monde parle de la difficulté qu'ils sont en train de rencontrer depuis qu'ils sont licenciés à IMS. Il y en a qui n'ont pas eu de boulot d'abord, il y en a qui sont commencés à travailler dans une autre société. Donc c'est la souffrance là qu'on est en train de traverser. Alors là, même moi, ça fait longtemps depuis ce jour, jusqu'au 11 janvier, en tout cas, je n'ai pas eu de boulot. Mais tout ça là ce matin, ira chez moi, toutes les dépenses sur ma tête. Donc c'est pour cela que j'ai décidé au moins de demander leur indemnité pour que tout le monde puisse se rendre. Merci beaucoup.